pour nous joindre Belangelo, candidat pour poste sénateur, département du Nord, bannière famille Lavalas. Nous avons l'autre moyen pour nous faire, si, c'est par téléphone, c'est vraiment le seul moyen pour nous faire émission. Belangelo, bonjour. Bonjour. Oui, ok, parce que nous sommes là. Et bienvenue sur Vision 2000, qui j'en ouye? Nous là, on appelle Gounet, on appelle Pierre Valier. Ok, et on souhaitait que la communication permette que nous parlions et matin. Je suppose que vous êtes en ville au Cap, qui j'en au Cap levé matin? Presque même gens. Très calme, avec... Nous plus tant de chiens que vous. Oh. Nous plus tant de chiens que... D'accord, bon, déplacé. Uh-huh. Oui, je suis très timide. Uh-huh. Allô, ça va? Non, me dit, mais ce n'est pas des chiens à couilles. Non, grâce à Dieu. Ok, d'accord. Uh-huh. Avec l'ouverture des classes là, très timide. Uh-huh. Et puis, des problèmes économiques qui ont dit qu'ils étaient graves. Mm-hmm. Cependant, bon, amélioration très légère dans le domaine de l'électricité. Quelques quartiers qui peuvent prendre des courants, semblent réparer quelques transformateurs bouillants. Mm-hmm. Bon, légère amélioration que nous avons souhaité qui continue, mais au cap très timide. Ok. Semaine passée, je parlais avec un petit cap haïtien qui était mené au groupe Monde. Dans le programme et que vous faites avec une équipe qui est nous refuser grand monde et Anthony Desources qui est dans la tête, il était plein en pile le fait que le livre au Cap, c'était presque un honte tellement de fatra au Cap. Et c'est constat ça que vous faites tout? C'est une vérité, mais son critique n'est pas trop à l'aise pour nous faire une radio parce qu'en même temps c'est une très mauvaise publicité. Mais toléré tout, pas dire, c'est toléré responsable. Dans un vice qui est inadmissible. Le problème, c'est que mon service qu'il a pour ramasser Fatra, qui est au Cap depuis 1998-99, qui travaille de concert avec la mairie, mais c'est sous subvention Port-au-Prince pour fonctionner. C'est chaque fois, c'est chaque 4 mois, chaque 5 mois, il va être son petit code, et puis matériel très usagé, il n'est pas capable encore. Fatra a une raison où vraiment dans une ville qui a parlé d'une capitale touristique, etc. Nous pensons que c'est un effort, genre qu'on nous fait gros bagaille de nettoyage, etc., à la réouverture des classes, nous ne pouvons pas avoir rien qui fait pas aucun mouvement. Est-ce que pas un nouveau cartel qui est installé? Un nouveau cartel qui est installé. Mais là, on nous vocate l'installe, le temps pour le prendre, pour le comprendre, l'institution mairie, l'établir des coopérations avec d'autres institutions, ça prend du temps. Okay. Mais il y aura pas de monter. Et on montre que toute bonne volonté, toute fougue. Ok. Bon. Maintenant, je suis certain que ça n'a pas empêché que Ville au Cap était quand même une ville et touristique, côté que il y a plus de monde qui a visité. Et c'est vrai que il y a plein de touristes qui sortent là-bas, il y a des monde qui sortent d'un pays hein, qui a visité nord là. Bon, on souhaitait que il y ait une disposition qui prend pour ça pour permettre que le monde arrive, c'est pas déception que joigne, mais au moins joigne une ville qui est attrayante, qui est capable et accueillir. Bon, quand c'était travail qui était commencé fait et sous bord de mer. Et qui ça avancé parce que tu fin craser caillou, tu as gagné fort la fête, moi yo installé par exemple sur boulevard et des sièges, qui j'ai travaillé ça avancé. Pas et pas aucun travail. Yo fin craser caillou et espace là était là vide. Et c'est ça qui fait vinn pi l'aide. Les caillou étaient là, on te dit caillou te fait oui à l'aide parce que c'est route qui conduit vers l'aéroport. Etc., qui allait jusqu'à la République Dominicaine, etc., ils ont crasé caillou. Ils ont crasé caillou, croient qu'ils n'ont pas mouillé, ils ont bout de pomme. Ils n'ont pas dit dédommagement, même t'as dit, ils ont assistance. Ils ont lagué dans la ria. Sans aucun support, sans aucun rien. Et juste qu'il n'y a pas d'aucune intervention qui fait. L'espace là était vide. Ça qui est grave, ils ont commencé à faire plein de garage, pour carwash, pour marcher, etc. C'est de temps en temps,
nous font passer dans la balle. Dernièrement, à l'occasion du 15 août, faites notre dame, magistrat a fait un gros balayage là-dedans, une grosse opération de nettoyage. Mais ça n'a pas continué, il n'a pas créé une capacité pour continuer. Est-ce pas ça, même quand tu as écrasé Kayoua, c'est le même côté à cité qu'on travaille qui t'a commencé, c'est pour y commencer. Il n'a pas commencé, bah, il a vu pile là-dedans. Il y a un travail qui a dit qu'il fait l'autre bon pont et le travail, ça n'a pas fait tout? Non. Actuellement, on ne peut pas avoir aucun chantier qui a pu fonctionner dans la zone nord. Et ça fait longtemps, longtemps, pas de chantier réellement dans le département nord. Dans la ville au Cap, par exemple, un pont qui commençait à construire depuis les premiers jours du président Matéri. Là, l'île qui était le pont inachevé. Un pont qui débouchait sur la rue 5, sous boulevard, qui pour traverser l'autre bon pont, qui pour aller dans l'espace pour écraser Caillot. Nous, ouais, c'est d'avoir un bel bagage, tout le monde est d'accord qu'à écraser, avec une manifestation qui fait, mais juste qu'on y a, pour pas fini, et pas aucune activité. Dans le nord, pas aucun chantier qu'a fait. Des routes, pas Port-au-Prince, passant par Plateau Central, passant par Saint-Raphaël. Sont suspects qu'a fait chaque semaine, ils font des grattés, ils font des bagages, mais pièce pour ne pas comprendre qui ça qu'a fait, et semblait pas gagner autorité, qui a assez de capacité ou bien qui a une volonté pour travailler, mais définitivement, travailler ça pour qui est là, pour qui ça c'est comme ça y a fait. Chaque semaine, il y a gratté un petit côté et puis est-ce qu'on ne va pas comprendre rien vraiment qui a passé. Gagner une initiative privée hein, qui te prend et avec en tête Livre Marie Chanel, une petite Noah, et il a installé des banques, des particuliers, des entreprises, des institutions qui ont contribué, ils ont 10 banques. Il est déjà installé déjà sur le boulevard. Et qui ont trouvé travail ça? Bon, peut-être que le moment où je suis roi, je ne pas passer sur le boulevard. Je n'ai pas remarqué ça, mais il y a une telle initiative qui est très louable. Parce que le boulevard est un espace de loisirs. Moun ka toujours besoin de chaise pour chita. Moun ka toujours besoin de côté pour distraire. Ça tape bien bon. Ok. Bon, et. Bel Angelo, bon, comme il y a une déformation dans Bel Angelo, en principe c'est Angelo Bell. Je prends un piège dans tout, Bel Angelo. Et c'est vrai que nous connaissons comme un ancien gros dirigeant et dans la Valas, dans le pouvoir de la Valas, le directeur général du ministère intérieur, ainsi de suite, ou la question de l'école au Cap Haïtien. Bon, c'est vrai que il y a des gens qui t'attendent que Bel Angelo vient candidat pour un poste quelconque. Bon, finalement, c'est pour sénateur. Est-ce que c'est un choix personnel, finalement, ou bien c'est moun qui tellement insisté, il dit, mettre là, faut représenter nous par rapport à faiblesse qui gagne. Expliquez-nous finalement qui ça fait qu'on choisit le candidat au Sénat. Il a dit les deux à la fois. Premier sordia. Ou bien tout c'est madame qui explique et expérience de faire l'ancien. Non, c'est pas ça. C'est que il y a un peu de monde qui s'est toujours souhaité ça. Et même les madame qui candidat, il y a un monde qui t'a dit que pour que c'est passé moi-même plutôt, etc. Bon, moi-même, je ne suis pas toujours chauffé pour poste électif, pas trop remettre ça. Finalement, il y a un peu de monde qui m'a dit ça, et au niveau des familles là-bas, là, de plusieurs organisations de base qui ont discuté ça avec le comité exécutif là. Et au niveau du comité exécutif, ils ont été très intéressés parce que le moment où ils ont choisi candidat, sans que mon protocole trop manifeste ça, ils ont été choisis à 100% à l'unanimité. Donc, moi, je viens presque devant le fait accompli et personnellement, qu'on y a, puisque même quand tout le monde avait dit ça, même si je ne suis pas pas de monde qui était à forcer. Personnellement, moins accepté. Je dis, bon, je vais faire une expérience pour un poste électif, je vais poser un candidat au Sénat, non seulement pour le parti, mais personnellement, je vais poser une contribution partout dans une pareille institution qui a de grande importance dans un pays et de grande importance tout pour l'avenir de la démocratie en Haïti. À un certain moment, et non, Bel Angelo est très sonné dans le Nord, particulièrement au Cap Haïtien.
m'pa konnen et au fil des années qui ça s'abaille, est-ce que vous estimez que ou gagner en sympathie ou bien gon bagaille qui plutôt statique ou bien honnêtement conscient que Belangelo pas représenter ça le représenter dans le temps. La politique c'est comme les vagues de la mer, parfois ça monte, parfois ça descend. C'est qu'on s'allie. Tout bien il y a une époque vraiment où était très chéri par la population du Nord. À l'époque on n'a pas animé émission radio, animateur culturel, jeune professeur, etc. L'amour est venu de la politique. La politique, c'est la gestion des contradictions assez souvent, surtout en Haïti, me fait 7 ans de débit départemental. Donc, il y a des gens qui ne viennent pas d'accord avec eux. C'est un bagage qui est normal. Ou pas qu'à faire politique sans opposition. Je suis directeur général du ministère de l'Intérieur dans un contexte qui était extrêmement difficile, côté le pouvoir, la valeur, et en face, pour être capable de dire, il y a une opposition orageuse et il fallait, au point de vue idéologique, défendre le pouvoir et le parti, puisque moi là, moi n'ai pas une contribution dans ce sens-là. Ça, c'est un quelque monde mécontent par rapport à moi-même. C'est la politique. Et à un certain moment donné, que Belangelo avait une portée, tout le monde est capable de toute charge, la valeur. Moi, aller en exil, moi, retourner. Et qui ça veut faire? Moi, constater. C'est pas même considération. Il hein? Faut recul. Recul que moi, faire. Moi, pas prendre aucun job politique. Moi, pas participer dans aucun gouvernement. Moi, pas aller tout dans aucun parti politique. Mais, moi, il faut retrait dans la politique active, mais non dans la lutte. Moi, plus rentrer maintenant en tant université, en tant école, moi. Comme professeur. Et à partir de là, moi, regagner ces parties de toute une jeunesse universitaire. Et actuellement, pour moi-même, c'est une reconquête. En pile, monde, tu dois penser que ça, ou tu penses de moi pendant des années, c'est pas la même chose. Moi, capable de moi, tu voyais ça. Et pour moi-même, c'est une reconquête. Ma candidature trouver bénédiction presque de tous les secteurs au Cap-Haïtien. Que monde dans la valasse, que pas la valasse, qu'il était GNB, qu'il était un ancien assaillant, il dit choix, ça a son bon choix, famille Laval a fait un bon choix, et il a voté belle. Oui, mais qui ça t'a fait que différents secteurs ont mis ensemble pour une mosaïque, au dia? Parce que quand même, où sont figurés Lavalas a gain une quantité passif notamment dans nord, c'est vrai elle gain actif pal ou jeune ou même en tant que individualité si retiré et au cas jeune des monde qui gain sympathie et pour où, mais qui ça joue en faveur qui fait que différents secteurs qu'a retrouvé là haut ça qui joue en faveur attitude de la société là bon bagage qui clair. Nous sommes une capacité depuis un petit monde. Même pas j'aime quitter au cap. Des gens qui prennent ça comme un bagage positif. Que dans toute génération, pas monde qui capacité depuis avant 86, depuis fin années 70, je dis belle pas j'aime quitter au cap. Il investit dans au cap. Je trouve ça son bagage qui est positif. Je dis que je assure que je pas un monde qui parlementaire, puis après mandat, il y a un chef de problème. De l'autre nouvelle génération qui ne trouve pas trouvé dans moi-même seulement un profil de personnage politique, qui est son éducateur, qui est un professeur d'université, qui a des idées nouvelles que la paix avance. Et puis, en matière de communication, il y a un langage pas un monde qui est vindicatif. Par exemple, malgré tout ça qui était passé, moi, je vais même répéter, moi, je vais répéter ça dans la radio. Je prends ma vie à deux doigts pour reconstruire. Moi, pas un monde qui est violent, malgré ça, tout le monde est capable de penser. Tout ça, moi, je vais dire que c'est des crédits et des acquis qui ajoutés ensemble et plus famille la valeur qui va moins un record. Le regardez, par exemple, et réalité, parlement. Monsieur est certain que vous observez de très près, quand même, vous avez un proche, madame, vous êtes sénateur. Ensuite, vous avez évalué la situation. Qui ça ou qui dit qui plus motivé ou véritablement pour dire bon, moi, j'ai une nécessité pour que mal déplacé puis on pas, pour qui ça vrai Belangelo le sénateur? Mais ça me satisfait.
Nous sommes pour un blocage au niveau parlementaire quand même. Et bien des fois, des bagailles qui fait ou bien des bagailles qui parisent et fait, on sentit ce manque d'expérience, on tactique d'amateur, on problème méthodologie de travail. Si nous prenons par exemple, il y a un parlement qui a des difficultés pour organiser des séances. Il y a un parlement qui a des difficultés pour organiser l'Assemblée nationale. Il y a un problème. Peut-être que nous avons des capacités, nous avons droit en minorité, puis nous avons imposé une discipline, puis nous avons imposé une méthodologie. Là, nous avons senti, nous avons apporté une contribution par formation d'avocats, de spécialisation en droit constitutionnel qui m'a été enseigné pendant des années. Moi, dit, avec des collègues qui puissent avancer, une contribution que moi capable de porter, et c'est une étoile en plus qui va libérer dans la constellation ça. Là, moi, senti que moi, c'est utile à une institution comme ça, et moi, c'est utile à pays, et moi, c'est utile à l'avancement de la démocratie. Moi, dit, bon, m'a bradé. En question que m'a posé qui peut allemand déco faire personnalité, m'a souhaité qu'on rentre dans logique moyen et puisque on sont enseignants, l'a observé différents sénateurs nord à connaît. Est-ce que vous pensez que un sénateur qui passé qui m'a dit qui fait fierté département nord, est-ce que vous croyez que effectivement nord t'es toujours bien représenté ou bien des fois elle t'est plus ou moins bien représenté ou elle pas bien représenté? Pas marron, pas marron, question, non, belle? Pas marron. C'est le marron, parce que pas marron tout le temps. Ok. Je dis ça. Pas mal poser problème là au niveau des Nord, Valérie. Là, est marron. Et c'est habituellement là où dit sénateur du Nord. Les sénateurs sont les sénateurs de la République. Problème là, son problème national. Pas mal dire tel monde qui te représente le Nord avec des fierté. Oubliez. Pas chaque gagné même qui te représente la fierté. Il y a chaque gagné, ils ont qualité, chaque gagné, ils ont capacité de distinguer peut-être qu'on a façon que l'on est capable. Même pas par le faire personnalité, ni façon positive ou de façon négative. Problème, c'est un problème national, peu lié, on ne peut pas un problème régional. Oui, mais, Belangelo, c'est certain que c'est comme si Mdadou. Il y aurait même cité Kabesh, par exemple, comme député. Et c'est parce que. Ah ben oui, il y a cité Li, il y aurait même cité Saint-Lô. Ouais. Oui. Et. Ah ben oui, donc ça veut dire que même gens comme Simdadou, il y a des gens qui ont marqué la législature et que les gens prennent comme référence. Est-ce que ça veut dire que Belangelo n'a pas un sénateur qui a pris comme référence qui passait dans l'ordre? Même si c'est pas même si c'est pas législature récente pour créer jalousie ni discrimination. Kabesh sur l'occupation américaine qui fait une très belle figure mais il mourit. Pepe d'Ivoire. Alors comme ça qui passe là mourit. Ou Pepe d'Ivoire. On a fait cette question parce qu'en Haïti régulièrement c'est là où mourit ou est profil ou est toutes capacités que nous avons. Une très prudente pour me faire une personnalité dans ce sens-là, je fait avant. Ou Pepe d'Ivoire. Non. Ou Pepe d'Ivoire. Sympathie. Ou Pepe d'Ivoire. Sympathie. C'est délicat, hein? Ouais, je connais le délicat depuis que je me pose des questions. Je me déjà dit ça. Et vous comprenez? Moi, je suis un peu plus de temps pour poser des questions. Je suis rentré là-dedans. Hein? Bon. Ma raison, père, non? C'est pas peine, père. C'est pas pour une question de peur. Et puis tout. Et pas peur, entrer là-dedans. Ça m'a pas trouvé comme débat, comme discussion. Ça m'a pas rapporté manier. Au contraire, ça fait plus mal que bien. Ok. Bon. Maintenant, on dit que, et nous observons, conseiller de monde, par exemple, m'a cité sénateur Moïse Jean-Charles, par exemple, et en pile fois, il y a des gens nord qui estimaient que. Le fait que sénateur Moïse Jean-Charles était dans l'opposition par rapport à Michel Martelly, il y a des bagailles que Noah pas bénéficié, c'est par rapport à ça. Est-ce que ces convictions partout? On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas parce qu'un sénateur dans l'opposition pour région côté n'a pas bénéficié en rien. Il a dit ça, c'est politique cynique, président Martelly. Puisque revendication sénateur Moïse Tapel, c'est juste. C'est normal. Mais le président Martelly n'a pas fini mon nom parce que mon sénateur qui est opposé à lui-même.
Mm-hmm. Pour pas croire ça est correct. Mm-hmm. Mais est-ce que vous conscient de ça? Est-ce que vous conscient que ça t'est arrivé vrai? Le fait que Moïse Jean-Charles était dans l'opposition. Et sénateur Polycarp, tout. Et est-ce que ça, vous pensez que c'est ça qui fait non pas bénéficier d'un paquet de bagages sur Martelly? Non. On pas croire cette position sénateur qui fait que non pas bénéficier. Le président Martelly dit que propre politique parle par rapport à département Nord. Mm-hmm. Je dis un observé et parlement, ou soit noté par exemple, des parlementaires qui ne sont pas toujours disponibles, par exemple, pour aller travailler, pour faire séance, ou pas en mesure de faire séance plénière, ou pas en mesure de faire séance en Assemblée nationale. Et est-ce que vous pensez que, par rapport à ou même qui peut aller avec conviction, pas ou qui peut être capable disponible pour aller dans le parlement, vous pensez que ça suffit si que la majorité qui décide ces gens liés à continuer à faire? Le Parlement est un espace de débat. Et ça me souhaite Valérie, le sénateur, il t'a souhaité moins son sénateur qui parlait moins dans la radio et qui parlait plus dans le Parlement. Mm-hmm. Ça y est, la séance. C'est pas le fait que il a présenté comme ça, face à la majorité, etc. Mais, moi, c'est, on fait partie d'un parti politique qui a bien des positions, pas moi-même seul. Même quand on a une idée, c'est des idées qu'on a partagées d'abord avec mes collègues du parti et ensuite d'autres sénateurs qui partent dans la famille Lavalas qui doivent partager une idée avec nous-mêmes. Et à partir de là, on a porté devant l'Assemblée et on a débattu. Donc, on ne peut pas mettre notre tête que pour avoir une unanimité, tout le monde va être d'accord sur le même bagage, mais vous avez dit quoi que. Le Parlement, en tant qu'espace de débat, a toujours gagné des idées contradictoires, mais a gagné des idées tout que tout le monde a d'accord sur eux. Mm-hmm. Et Belangeau, ou gagné dans l'agenda législatif ou des propositions de loi, je suppose, qui est déjà préparée par rapport à sensibilité ou par rapport à besoin payant en tant que sénateur de la République. Qui sont gagnés ou juste a besoin d'appui collègue pour peaufiner au niveau du Parlement? Deux bagages que nous avons gagnés, c'est des revendications, nous avons des revendications personnelles. En tant qu'éducateur, par exemple, nous avons des bagages qui ont mis l'esprit. Mm-hmm. Éducation. Ok. L'homme de la Valérie, gagne une loi qui est votée. Publié pour organiser examen officiel en Haïti. Par exemple, baccalauréat première partie. Loi dit que l'élève haïtien doit subir deux examens officiels. Yon ministre, pas une simple déclaration. Non, yon après-midi, l'abolil. Pas de problème avec l'abolil à nous. Mais dans un pays de droit, yon pays qui a parlé de l'état de droit, décret, abrogé décret, loi, abroger loi, une simple déclaration, un ministre, pas capable d'écrire toute une structure de l'éducation. Moi-même, moi, pour le retour des bacs première partie, hein, que je suis capable de faire un bac deuxième partie spécial. Par exemple, le là, si je fais bac première partie, lui, rajouter dans la deuxième partie, hein, c'est son étudiant qui a une aptitude pour la médecine. Pour l'infirmière, par exemple, pour aller dans la technique médicale ou dans la technique laboratoire, que vous faites un baccalauréat aboli, qui chita sous biologie, une chimie, un peu de physique, un peu de mathématiques. Vous ne pensez pas que l'IPRA est trop tard, papito c'était avant, vous avez pris un lit, vous avez orienté mon nom? Non, ça c'est tout le système qui t'a pour changer. Mais je parle particulièrement à loi qui établit examen. Baccalauréat, que le ministre aboli par une simple déclaration. On m'a dit qu'on établit et en attendant que son tas à ta fête, au niveau de la philo, de son philo spécial. Il y a un étudiant qui a aptitude pour l'arrêt dans le génie, que on fait faire un bac dans mathématiques, dans physique, etc. Tant que mon qui veut aller dans la communication, dans la science humaine, qui veut aller dans la science sociale, dans la diplomatie, dans le droit, peut faire un baccalauréat
littérature, philosophie, sciences sociales, langue vivante, etc. Pour penser à un bagage comme ça, t'as capable d'un pays à plus de services et en même temps, dans le grand sacrifice de l'université à tout niveau ingénieur et à garder, faut qu'il y ait une mobilisation qui fait au niveau de structures de l'État, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pour nous rappeler si nous avons une université réellement qui campe droite, qui ferme et qui a des capacités pour accueillir plus jeunes. Faut nous créer une structure pour nous recevoir plus de monde dans l'université. Et pas une université pour créer les chômeurs, mais faut que le programme change, faut que le curriculum change côté étudiant, là, apprendre un bagage pour nous entrer sur le marché de travail. Là, on fait s'organiser. Comment pour nous, ou sénateur, ou bien parlementaire, ou ministre, ou premier ministre, ou président, ou citoyen responsable, là, on va prendre quand tu es jeune, tu as quitté le pays pour aller au Brésil, au Chili, tout ça pas joué. Bon problème, bon bagage qui pas marché. Comment pour tout jeune, tu n'as pas pleuré quitter un pays et puis ça passe du pièce pour rien. Moi, je me suis pays a mérité. Yon débat, yon état généraux par rapport au grand problème majeur ou pendant un nombre de temps pour nous dire mais minimum de solutions qui peut côté. Donc M. Bessaro préoccupe d'abord à côté de grands problèmes, de grandes questions que le sénateur a gagné pour résoudre des conventions qu'a gagné pour le signer et des lois qu'a gagné pour le voter. Bon, moi, je suis sur l'éducation. On dit que, et il y a rétabli question et bac, première partie, hein, donc retoa et les retourner. Et le ça, ça peut demander qui ça? Ça peut demander que il retourne avec loi, ou bien pour juste se mettre sous côté, disposition qui te prend au niveau du ministère de l'Éducation nationale? Que vous mettez disposition de côté, parce que une seule disposition, pas qu'à éliminer un décret, pas qu'à éliminer une loi. C'est la loi où tu dis. Si un élève là fait une moyenne qui aux environs de 4.5 sur 10 et à journée, une moyenne pour faire, c'est la loi qui dit. D'accord, mais bon raison que tu as fait que Nespi Maniga est venu avec question ça, est-ce que vous évaluez raison et justification? Oui, nous te découvrons. Son raison économique, c'était pour empêcher le gouvernement de dépenser trop l'argent dans l'organisation baccalauréat que tu veux une cop pour te faire l'autre bagaille. Son raison économique, c'était. Ok. Donc, ou pas quoi qui est valable suffisamment pour justifier une mesure comme ça? Il n'est pas valable. Une mesure à tes pieds économiques qu'elle était académique. Ok. Maintenant, qui importance retour, enfin, première partie, examen, gagné dans le par et enfin, je cherche point de vue éducateur. Il y a pays, il y a trois demandes dans le pays. Ou pas le quelle quantité d'élèves qui n'ont filo qu'à multiplier par 10. Ou pas le travail de des élèves filo qui va avoir un élève troisième. Parce qu'il n'y a pas aucune restriction. Tout le faire classe à on a vu tout. Tout élève n'est pas filo. Avec ça, la baisse. Donc vous pensez que c'est une occasion pour que nous te freiner au EGEO, pour nous te tout camper depuis là? Naturellement. Okay. Ou c'est qu'à dire qu'on ne fait pas soir. Mm-hmm. On crée une élite pour une quantité qui nous tient dans le philo et finalement, ou bien ce qui nous tient dans l'université. Ok, mais pour qui ça ne va pas poser problème non, de manière générale? Dans le sens que, par exemple, un petit monde qui est allé dans le réto ou bien allé dans le philo, je dis à l'un gars des salvos, c'est presque pas grand chose. Hein. Mais c'est parce que le système, non, les chita sont à faire deux, il faut que petit monde fait philosophie. Alors que l'Italien a une quantité de talent que le système éducatif n'a pas permettre que les gens découvrent la Kaili. Ça veut dire que si les gens, par exemple, qui doit gagner, on dit un réflexe sportif. Mais est-ce que l'école permet que ils découvrent le talent ça et que ils orientent là-dedans? Ou les gens qui ont peut-être un réflexe pour le métier manuel, est-ce que l'école haïtienne permet que évaluer? Pourquoi ça va dans ce sens-là? Là-dedans, oui. La question baccalauréat comme un problème conjoncturel, comme un problème ponctuel, sans dire là, il y a un problème structurel, une structure. Système éducatif là, il faut aller jusque là. Et moi-même, moi, j'ai souhaité que des psychologues que vous employez dans l'école pour assister les élèves, pour découvrir
attitude à l'élève. Il y a des élèves qui pas qu'à aller dans la université, qui pas qu'à la dedans, qui a sorti un bon ébéniste, qui a sorti un bon mécanicien, qui a sorti un super électricien, qui a sorti un meilleur contre-maître, et nous en avons besoin. Nous besoin ça en pile. L'école là doit bien orientation ça tout. Mais pas négliger ça. Question baccalauréat, il plus un problème bon, ou conjoncturel, sorti là, c'est surtout un okay, problème. Ok, mais qui j'en ou même, qui j'en ou même, ou compter intervenu en dans structurel là pour ton changement? Là, on t'a souhaité que nous faisons partie de la commission éducation. Nous t'a souhaité au niveau de la Chambre des députés, il y a des éducateurs qui font partie de la commission éducation. Nakshita, organiser des séances de travail, des états généraux, nous-mêmes en tant que parlementaires, avec les responsables de l'éducation, les responsables d'école, des éducateurs qui peuvent conseiller encore, qui peuvent apporter des idées nouvelles pour nous, soit autopsie, on croit analyse de système éducatif là, qui ça qui mérite de là-dedans, qui ça qui mérite de là-dedans, qui innovation pour nous. Mettez la dedans. Nous ne sommes pas capables de brûler pour taper les choses. Et Valérie, sont deux jeux qui menacent Haïti si nous pas aller vite et si nous pas aller bien. Haïti signe une série de conventions dans le pays Caraïbes, là, dans le Caraïbes, là. Dans quelques années, même si on a parlé de l'Union européenne, il n'y a pas parlé dans le Caraïbes, là, de l'Union caraïbéenne. C'est-à-dire que les Jamaïques n'ont pas besoin de visa pour venir à Haïti, même pas parce qu'ils n'ont pas besoin. Trinidad dit en même temps, mais tout, en matière de marché du travail, nous n'avons bien droit à Haïti, il n'a pas besoin, il n'a pas Oasis, etc. Il y a besoin d'un bon cuisinier, il y a besoin d'un bon manager, il y a besoin d'un bon directeur d'hôtel, et puis il y a fait offre d'appel là. Si son Trinidadien qui est appliqué et qui bon, c'est lui qui a vu nuit, par exemple, grand hôtel international qui commence à établir en Haïti, le cuisinier n'est pas haïtien. C'est Dominique, c'est Trinidadien. Donc, il faut une orientation avec l'école là, une orientation vers le marché du travail. C'est ça pour nous faire, tant au point de vue national qu'au point de vue international. Si nous ne pas faire ça, c'est de bas niveau à échapper. Comme pour moi, le bagage, je vais observer, il y a de cela un an et quelques mois à Caracol, au parc industriel de Caracol. Malgré Caracol, pendant la construction des bâtiments, ça va faire rire. En haut, dans l'étage, où il est jaune, il est clair, il est brimo. À partir de bas niveau, il est tout noir. Ça ne passe pas ce qu'on est. En haut, pour ce type de travail qui est plus sophistiqué ou bien qui est plus qualifié, c'est Philippe, c'est Dominique, c'est Jamaïcain. En bas, quand il y a posé bloc, il y a battementier, c'est haïtien. Ça, c'est un spectacle qui m'attend et qui est désagréable. Moi, parce que l'école là, doit rentrer là-dedans, c'est-à-dire, l'employabilité de l'éducation. C'est-à-dire, m'aller à l'école, exactement, m'apprendre tel bagage pour m'aller sur le marché du travail. Je suis parfaitement d'accord avec l'opinion, je ne pas écarté, il y a un combat, mais la différence, c'est que le problème du baccalauréat, c'est un problème ponctuel ou conjoncturel. Le problème que nous posons maintenant, c'est un problème structurel. Ok. Le sénateur de la République, ou bien n'importe qui parlementaire, député, en principe, ou t'as supposé venir avec, un plan que parti qui vaut en bas, dans le Parlement, comptait exécuter. Puisque, si maintenant logique parti politique supposé gagner, un projet de société, il y a un ensemble de plans, il y a un ensemble de propositions de loi que eux-mêmes, et qui fait essence partisan en fonction de l'idéologie, de philosophie, pour être capable d'arriver à appliquer. Alors, Lavalas à un certain moment a contrôle parlement notamment la 47e législature qui schéma qui était tracé avec Lavalas dans 47e législature que yo compte venir retourner avec lui avec Belangelo entre autres au Sénat. Premièrement, la création des écoles, multiplication des écoles, renforcement de l'école. Ça a retourné. Et moi-même, je n'ai pas l'encouragé. Parmi la valeur, c'est quoi la création d'école. Et c'est un mouvement qui passait sous pouvoir, qui crée plus lycée, plus l'école dans le pays. Et des preuves, il y a des devis. Je n'ai pas retourné avec ça. En matière d'éducation, parmi la valeur, très sensible.
C'est-à-dire, en tant que sénateur, moi je dois arriver avec des idées. Moi je dis pour devoir débattre idéaux au niveau du parti d'abord, ensuite avec mes collègues parlementaires du même parti. Et pendant les chercher alliés, c'est comme ça qu'on fait dans tout le pays, ils viennent avec le projet, ils débattent entre eux, mais par contre, pour les horizons de parlement, pour ne pas avoir des contradictions. Pour moi-même, je dis au bagaille, si on le fait d'appeler la valade, obligé de dire au bagaille, c'est contraire. Il faut que nous ayons le même langage. Et ensuite, maintenant, il faut nous chercher des alliés. Les parlementaires qui parlent la valade, et qui ont partagé, ils ont même l'idée. Ils ont même tout, ils ont pas le fait comme ça. Il y a bien des idées avec des idées, que n'a pas été positif, n'a pas allié avec eux-mêmes, et n'a pas avancé. Ok, donc éducation, c'est un domaine côté que et la Valas parle produit en pile dans le Parlement. Comment? Éducation, c'est un secteur côté la Valas parle produit en pile dans le Parlement. On est pas traité ça. Ok. Qui deuxième secteur en tant que pilier que nous comptons aborder au niveau du Parlement? Agriculture. Souveraineté nationale, la vie dépend de l'agriculture. Nous pas qu'à parler de souveraineté pendant que plus de 60% de manger, n'a mangé, consommation alimentaire, nous, la diète alimentaire, c'est de l'étranger pour le sortir. La tribune-dépendance de la République dominicaine, son bagage est sauvage. C'est pour nous fournir fort dans le domaine de l'agriculture. Et nous souhaitons que l'agriculture et capitaliser. Donc, ils sont présidents, c'est-à-dire des propriétés, des vastes propriétés, dont agriculture qui est orientée vers l'industrie et vers le commerce international. Il faut que nous ne pas produisions seulement pour manger. Il faut que nous produisions tout pour exporter. Là, si jardin, si mon sauté, accueillons où, pas qu'à répondre à un bagage comme ça encore. Et on peut être suivi depuis plus de 300 ans, depuis la période coloniale jusqu'au là, et puis un paysan avec un dixième des carreaux de terre, puis des sept petites, après une manchette, ça c'est l'agriculture de la misère. Il n'y a pas qu'à nourrir. Il faut que nous vivions à un système, l'État chargé avec terre, il faut que nous vivions à des grandes fermes, non seulement qu'à créer emploi, mais tout à produire pour la consommation locale, et qu'à produire pour la consommation extérieure. Comment comprendre? Pour Haïti, à passer citron en République Dominicaine, à passer piment en République Dominicaine, des bagages de notre communauté. Il y a un autre aspect qui peut gagner encore, mais faut un système de crédit. Il faut que nous considérions agriculteurs comme nos entrepreneurs. Même gens, monsieur, ils ont un grand magasin, ils ont un gros factory, la banque prête l'argent, mais ils ont paysans, ils ont un groupe de paysans, ils ont une coopérative de paysans. Il y a l'association des paysans qui travaille 10 carreaux de terre, 7 carreaux de terre, 15 carreaux de terre. Ils disent nous devons planter nos tomates, nous devons planter piment pour nous faire l'argent. La banque vient droit prêter au compte, vient droit tout à crédit. Paysans vient droit à crédit tout. C'est clair, nous avons un système bancaire, pour que les questions crédit sont pareilles totalement discriminatoires, inadmissibles. Vous entendez nos informations. Pourquoi? C'est surtout qui est rajouté président Matéli. Les systèmes bagaille la règle, ils ont décaissé 75 milliards de dollars pour encourager les petites entreprises. Et ils ont dit déjà que formation de l'EDA, les 75 milliards de dollars, les 357 milliards de dollars, les 7 000 n'importe quoi seulement. Et puis qui reste là qu'on y a là, il a été jeté dans le bagaille. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas possible. Faut que nous jetions crédit dans le pays d'Algérie à tout. On est dans un groupe de gens qui ont besoin de l'État et de l'Ouest. Pourquoi pas un système d'assurance? Les inondations passées, les tremblements de terre passés, les cyclones passés, qui datent déjà d'un pays d'Algérie, un système d'assurance pour permettre de l'éteindre. Faut que nous allions avec le système crédit à tout le monde encore, nous questions l'agriculture, crédit pour l'investissement. Agriculture, son investissement, c'est lié tout. C'est pour nous venir faire ça, moderniser. Et puis, disons-nous, imaginons, petit paysan qui finit sa baccalauréat, et puis,
papa te moye quoi pour vendre, pour voler dans l'université, si tu n'as pas écrasé jardin, et tu viens pas aller dans l'université. Là, on t'a plaidé pour un tout crédit. Un crédit à étudiant même, et un crédit à papa du paysan. Maintenant, sauf étudiant à l'école. Souhaits, mais maintenant mécanisme pour sa fête yo qui gens ont compté aider définir yo premier bagage là sont de sensibilisation pour ta petite dépêche ni le niveau de basse faut qu'on débatte sur le niveau de l'État. Ça veut dire un choix politique, Valérie. Une idée de l'État. Bon, l'État est le pouvoir qui vient, qui dit bon, m'a fait ça. Et qui met de l'eau, vous voyez, nous avons besoin des parlementaires qui peuvent nous suivre, pardon. Nous avons besoin de monde dans le secteur privé qui peut comprendre ça. Nous avons besoin de monde dans le secteur privé qui peut comprendre ça. Pauvreté, pauvreté absolue à son menace. Son menace, c'est un problème de terre, c'est un cyclone. Ce qui nous disait, sans comprendre ça. Et nous arrivons de vrai, partenariat du secteur public privé, il est indispensable en Haïti. L'État et le secteur privé ont ensemble pour faire un pile bagaille. En pile banque, plus banque. C'est privé, même j'ai plus l'école. C'est privé, même j'ai plus l'université. C'est privé. Mais l'État, même j'ai pas exercé ma vie de un pauvre. Là-bas, il y a pandémie. Il y a la valise. Mais pour nous, c'est l'État, pour étudiants. Nous, c'est des paysans. Les organisations des paysans qui sont stables. L'État capare tout comme avaliseur pour avaliser le crédit. Dans le cas où des difficultés pour payer, l'État capote un support à ça. Ça fait aux États-Unis, par exemple, qui s'est passé en République dominicaine. Mais quel? Oui, il y a des tentatives qui fait dans ce sens-là. Par exemple, sous Martelly, il te permet une série de jeunes qui dans la rue et ils ont entré dans un programme crédit auto permettre que yo gon bus etc. Mais nous voyons que ça a passé là et on a l'impression et calcul yo était mal fait si bien que yo gen difficulté pour que yo payer enfin la banque est en saisie plusieurs machines yo m'entend des propriétaires yo qui a plein la radio donc quelque part, il faut nous tenir compte de l'expérience pour que nous corriger à l'avenir. Pas d'expérience qui est mauvaise. Chaque expérience qui doit avoir une finalité négative va servir de leçon pour l'autre monde. Une ne pas dire que Bagayto va éditionner, je dis qu'en Valtelli, il réalise dans l'offre électrique, il fait erreur 12 fois. C'est sous 13e fois. Il dit échoué 12 fois. Il dit non pas échoué 12 fois. Ma prenne 12 fois, comment ils ont l'autre pas qu'à faire. Donc, ça fait du domaine de faire. L'idée était bonne. L'idée était correcte. L'idée était juste. Et il t'a prié. Mais, semblait pas rentrer dans une structure qui était devenue durable. Nous, même les mêmes bagailles, ils ont découvert la taille président de Matéli. Ils ont assisté. Cette psychologie par l'agir. Ils ne peuvent pas. Ils font bagaille. Mais depuis que je la cour, on a passé. Il est où? Ma président m'a dit que c'est lui qui était capable de prendre responsabilité, soit l'aide au bagage, faire un bagage, pour être revenu rentrer dans le soutien, pour être durable. Bagage, ça a fait positif. Pour mettre dans la vie, ça, je ne peux plus faire l'action auto. Pas un plus bel bagage, pas c'est ça. Mais, si on était rentré dans le soutien, on était ordonné, il t'a continué. Et si c'est pas 50 000, ma chirurgie est bien à 150. Ok. Est-ce que Belangelo a gagné, et même j'ai avec plusieurs autres parlementaires, députés ou sénateurs, ils ont gagné des lois, des textes qui portaient non, tellement c'est cheval de bataille, ils ont quimbé, ils ont insisté. Ils ont une loi qui portait non Belangelo en bas? Je ne vais pas souhaiter ça. Loi portait non personnellement. Quel que soit le texte de loi qui publie à faire l'œuvre du Parlement. Même si vous votez contre, et un vous payez, c'est pour le Parlement. Deuxièmement, pas capable de loi qui vote sans débat. C'est pas une correction qui peut se là-dedans.
Ou pas quoi ça? Oui, mais pour vous, non, là on a ça stand de toute façon, c'est pas grave, et écoutez. Dans le sens, c'est moi qui prends l'initiative là. C'est ça. Ok. Et si c'est pour ça qu'il y a des réfugiés, peut-être qu'il y a parmi qui pour un de trois législatives à le passer, et même ils ne vont pas le faire, en face, il y a pas d'aïti qui m'a dit pour bien leur comportement. Mm-hmm. Mais on va croire ça. Ok. Et qui, à part éducation, qui commission qui intéresse au dans le Sénat? Collectivité territoriale. Ok. Vu qu'on fait 7 ans à travailler avec la collectivité territoriale, 3 ans directeurs généraux à travailler avec eux, nous ne comprenons pas la collectivité territoriale. Là. Et en plus de ça, on va aider vous dans l'université sur la décentralisation. Donc, la décentralisation territoriale est intéressée. C'est-à-dire, transférer nos partis, nos pouvoirs, vers la collectivité territoriale, on est très intéressé. Et puis tout, le voter budget là, voter des postes, provisions budgétaires qui sont au service collectivité territoriale, au service mairie, casette. Elle souhaitait cette fois, c'est la fila, l'absence d'élection indirecte pour les collectivités territoriales là, devenir une structure normale. Réel du fait que l'élection pour collectivité territoriale n'a pas jamais été faite, nous restons en permanence dans un régime déformé. Nous n'avons un régime qui n'est ni présidentiel ni parlementaire parce que, à la limite, c'est pas un régime d'assemblée. Assemblée n'a jamais existé sauf assemblée des parlementaires. Nous souhaitons aller dans la collectivité territoriale. Il y a des valeurs qui dans la collectivité qui nous retournent. Tant qu'au cas, on ouvre le combat de cette lame là-bas, il y a un coup de bat à tourner au cap. Au cap, c'est la patate, et puis le ministère du Tourisme, après avoir fait l'exploiter, nous avons accueilli pour les 70 000 touristes, pour que la dame, c'est pas possible. Combien de fois chaque touriste sur côté? Combien de fois qui tourne au cap pour remettre le patate? L'argent touriste là, je développe le touriste. Où me gagner? Où me gagner? Une disposition qui te prend et sous question la badia pour que au cap bénéficie on $2 et gain plusieurs sections et 3 sections va bénéficier on va comme ça sur chaque touriste ou pas de quoi alors il te courant et vous reportez pas dans de bataille ça vous ne pas venir de la et pas loin comme ça non pas de tout récemment parce que pas blé dans le fond grand reportage sur la badie là tu gain mouvement protestation et sur en tant contacté jeune. Non, président de l'État maintenant, au cas là, on va faire des tours là-bas à tourner. Il faut pas tourner. N'a pas le boulot pour faire tourner. Et il faut qu'il tourne. Parce que, en situation de fatra, et lui, là-bas, il y a et Mazou, là-bas, c'est une structure qui vient de dépasser le département du Congo. Pas de usine, pas d'entreprise, pas de rien. Qui fait ça, il y a. Il n'y a pas de combat pour le cap. Il y a des cas, on investit là-dedans, dans le PPPC, pour boucher tout le monde, pour faciliter ça. On ne doit pas là. On ne doit pas être là. On ne doit pas être là. On ne doit pas être là. Et c'est qu'il y a même subvention de l'EDH là-dedans. Nous avons un système où nous finissons la question de la table. On ne doit pas une ville qui est propre, une ville qui est tranquille, une ville qui est facile à la circulation. L'argent là-bas dit, il faut le tourner. Quand on l'autre bataille qui fait pour le tourner, on ne peut pas dire qu'il y avait pas l'argent. L'État, même si on n'a pas de décentralisation, mais l'État va transférer la totalité de ses pouvoirs, l'État central là va discuter avec l'autorité locale dans ce projet, l'argent a investi, il n'y a pas de bâmoule l'argent, il a investi l'argent dans des projets qui avantageux pour la ville du Cap et le département du Nord. Dans le cadre tourisme multidestination, nouveau concept ça, et à savoir offrir mon nom package, les sorties Cuba, visiter Jamaïque, les faire Porto Rico, les faire République Dominicaine, les faire Haïti. Yo te mette par exemple un point pour mon visiter comme site, c'est la Citadelle de la Ferrière.
Je dis à qui sa réalité a pour Citadel. Au monde qui a la Citadel, qui ça le paye et qui côté le paye, qui a si recevoir l'argent ça? Pendant qu'on dit ça, mon projet m'a passé sur lui. C'est un projet qui a sauté quand Louise passait en dans la crise, côtoyer la peine du Nord, côtoyer Milo, monter Citadel. On nous a asphalté le projet à campé. Nous reconnaissons que l'histoire du régime de Caléa portait une amélioration, plus ou moins, la structure touriste là, Milo et Citadel. L'arrivée de Milo, dans tout ce qui est d'accueil, sous quoi les sens ici, sous quoi les citadelles vont prendre de 10 000 lots. Si vous avez le cheval, vous avez fait le peuple de 10 000 lots. L'enrivée, côté de la partie, pour vous des citadelles, pour vous des chouballes, etc. Et puis vous des chalets, vous avez la paix, vous avez fait capable de l'eau, vous avez fait de l'eau, vous avez fait ça, plus ou moins, acceptable, c'est une amélioration. Côté peuple, vous avez fait un bon quoi qu'on est. En tant que 7 citoyens, si vous voulez blancher, vous avez fait un bon quoi qu'on est. Mais dans quelques mois, ma connaît. Citadelle, structure son concours juste là. Il faut que nous formions des guides touristiques. Nous qui bien formés, bien préparés, bien payés, bien habillés, qui pour accueillir les touristes là au niveau de la citadelle. Faut que nous des gens qui pour arriver dans la citadelle là, pour les touristes arriver, tous les gens qui viennent contacter, qui une langue vous parlez, mais qui une langue vous parlez des chicots. Nous qui parlons anglais comme là. Nous qui parlons espagnol et capella, nous qui parlons français et capella, nous qui parlons allemand et capella. Des deux fois Valérie, même comme qu'on a pile, on attendait, disons le tout bas, et deux minutes de capteur guide de Citadel là, oui. Et tu veux être honnête, dis mon Christophe, que tout le monde, ça fait sens, moi qui a fait deux minutes de capteur dans ça, faut que nous récupérions Citadel là, pas seulement matériellement, mais notre devis. Pour nous industrialiser, force historique, nous allons rapporter l'argent. 20 siècles à rapporter l'argent. Miracaïment à rapporter l'argent. Palais sans souci à rapporter l'argent. Citadelle à rapporter l'argent. Même gens, palais 367 postes à rapporter l'argent. Mais on ne dit pas dimanche, ça que fait pour et Citadelle. On ne connaît alors. Non. Et ça, on ne comme là. Non, mais l'ombre là-bas dit. Ou on frère Koubaï, qui est sous bail, qui est si vous se voile, qui s'en fait avec. Oh, ministère touriste. Ministère touriste, nous avons un bord, un petit bureau, c'est lui qui est. Ok. Qui ça lui, vous avez une idée de frère, je veux dire? Je pense que j'ai combien de pas trop cher parce que ça. Ils vont valer pour l'étranger, ils vont valer pour. Si c'est haïtien, ils vont copier. Si c'est étranger, ils vont leur valer du pays. Ok. Maintenant, c'est vrai que n'a pas gardé chaque candidat. Il a essayé de garder qui est capable de sortir tête de lui-même. Il y a qui joint un béqui. Il y a des candidats qui ont un béqui. Ouais. Président Aristide, c'est béqui. Marise Narcisse. Est-ce que même béqui, ça a utilisé ou dans notre ou? Utiliser béqui. Vous avez le béqui, Marise Narcisse, là, par exemple. Non, dans le sens que le président a essayé d'accompagner Lila Robin comme un support. Mm-hmm. Est-ce que vous avez le même support de Aristide Nano? Oui, Mabzou, notre village a fait tout le monde qui a fait campagne. Sénateur fait campagne pour président, président fait campagne pour sénateur. Et si nous devons députés à Kazakh, tout le monde a fait campagne. Président Aristide a fait campagne, base Solino Cité Soleil a fait campagne. Base la forcette, base non monter pas descendre sans raison dans au cap a fait campagne. C'est nous tous qui a fait campagne. Est-ce que ça veut dire que tout le monde qui candidat sous famille Lavala c'est Marise Narcisse qui a supporté comme président? Ah, inévitablement ça va avoir un désordre. Notre famille Lavala c'est pas belle nous qui a supporté. Qui a supporté famille Lavala? Bien même que tout. C'est pas la personne de Marise Narcisse. Non. Cette famille Lavala, c'est le parti. Faut que nous avons une discipline de parti. On va trouver droit pour un candidat au Sénat, non au parti, et puis pour un candidat à la présidence, pour supporter un autre. Ça t'a fait toute chose une Bible en seul but. Ok. Et dans le cas ça, par exemple, peut-être que j'en présente là, une logique de parti
assurément qui respecte dans la famille Lavalas. Est-ce que parti a pris engagement, supporter nous? Quel type de support que le bail candidat lui? Bon, support moral, support financier, si peu qu'il soit, bon, solidarité qui fait entre nous-mêmes. Parti a supporté candidat aux gens capables, par ses faibles moyens, gens capables. Ok. Au niveau de Nord, il y a une particularité pour l'élection SAO, Nord avec le plateau central, puisque gagné un deuxième tour qu'a fait dans même jour 9 octobre plus gagné tiers sénat qu'a fait. Est-ce que vous pensez que moun nan nou comprend réalité a? Est-ce que nous suffisamment expliqué qui gens pour voter et je vote là? Moi même en tant que candidat, nous des responsabilités pour me faire ça. Si on pas fait ça, il pas bon pour eux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse confusion dans nord jouer élection. Est-ce que dans tout le pays, il y a? Non, particulièrement Nord et Plateau Central, côté a fait deuxième tour, en même temps que a fait Exactement. Je ne vais pas préciser que c'est Nord et Plateau Central. Moi, même depuis ça me fait. Tout côté, je fais réunion, je fais meeting, je chita sur ça. Je dis que c'est une élection qui est plus compliquée que parler là-dedans. Et je pense que c'est plus compliqué que Valérie, j'ai candidat pour député. Quand est-ce que j'ai candidat pour député? C'est notre quatre élections pour nous parler. Nous n'avons pas l'air dans l'élection pour choisir d'éviter. Parce que non, ce n'est pas de c'est Raphaël, c'est le cas de Bonbon, c'est le cas de quoi Formago, si je ne me trompe pas. Moi, expliquez-moi, c'est vous qui avez choisi d'éviter. Vous n'avez pas voté pour nous. Mais l'élection que tu as faite pour le Sénat l'année passée, il a continué. Ce qui est bizarre, dans la liste candidat, il a balle puis au voté, il a des quatre candidats au Sénat, puis on choisi deux. Dans la liste, puis on choisi une qui fait le Sénat, il a balle au liste de 16 candidats, puis on choisi un. Et plus il y a balle au liste de candidats à la présidence. Mm-hmm. Un homme qui s'en dit, peut-être qu'on a trouvé ça un peu égoïste. Là, bon, moi, je m'en charge, je m'en fous. Nous dit, partisans sont mis la valace. Les nouveaux traits en dedans du bureau de vote là, demandez bulletin, tiers sénat et président. Cherchez côté numéro 54 là, et cherchez table à fourni la valace, côté bel enjoué, fait quoi? Cherchez dans le président, côté photo, Marie Nassi, qui a fait table là, numéro 54, fait quoi? Et nous dit, nous ne pas faire quoi pour nous pas jamais voter en fond. Quoi veut dire, nous investissons conviction nous dans le monde de pour un changement. Là, nous finissons, votez vous nous voulez dans quatre autres mondes. Et dans quatre là, sous votez trois, il y a gâté. Dans le là, sous votez deux, il gâté. Et dans le président, sous votez deux, il gâté. C'est ce travail de civisme en tant que candidat. Nous faisons tout partout côté nous faire l'accomplissement. Tout côté m'a parlé avec nous, toutes les circonstances qui nous viennent pour me parler avec nous, m'expliquer ça, la complication, la complexité de l'élection, ça, qui prend le fait là, qui le fait. On l'a d'ailleurs quoi? Nous devons nous dire que dans 4 millions qui prennent deux électorales, mais c'est interminé, nous ne pouvons pas voter d'elle. Non! On ne peut voter un tel ou une telle. Dans 4 millions aujourd'hui, nous faisons voter d'elle direct. Nous pas dans la même élection avec eux. Ouais. C'est ça m'explique. Nous n'est pas dans la même élection. Est-ce que KEP a fait message à passer dans le nord? Non. KEP a pas fait ça. Moi-même en tant que candidat, moi j'ai été dans la donne, je prends comme et l'évangile moi. Alors aussi, il y a que grandance dans la même situation tout. Grandance là dans le tout. Ouais, justement. Alors dans cas ça qu'on y a une élection qui paraît assez compliquée avec des monde quand même et ben là c'est difficile pour yo. Là ou elle juste voter un président ou qui est difficile, yo gâte bulletin quand même. Qu'on y a dans cas ça côté que pour aller pour voter pour deuxième tour dans un premier temps, bulletin gagne 4 monde là dans enfin, yo pour choisir 2 dans 4 là. Un autre bulletin au bail, il y a 16, il y a choisi une, et ainsi de suite. Bref. Alors,
besoin garder ou même et Belangelo dans différentes communes qui gagnent au niveau du nord qui côté famille Lavalas a fait radmarer. Pourquoi faire pronostic ça? Mais nous espérons remporter l'élection. Nous avons des raisons pour ça, des raisons stratégiques. Parce que nous avons la sécurité de l'idée que nous avons fait. Quand nous avons un candidat, il faut que nous avons gâté l'élection. Ah, ok, mais le secret. Il n'y a pas des armes. Il n'y a pas des armes. L'année dernière, nous avons tout ça au fait. Malgré nous dénoncer, il n'y a pas arrêté, au contraire, il n'y a pas récompensé. Nous n'avons pas dit ça parce que nous avons dit. Quand on connaît nous plus fort, il y a gâté, il y a des armes. Ok. Dis-moi, où regardez les sondages qui sont ici, dans le nord, et qui côté au place là? Écoutez, regardez, même si regardez comme ça, on dit, m'a fait campagne. On n'a pas besoin de faire élection pour famille Lavalas. Nous voulons une élection libre, honnête et démocratique. Mais nous sommes bagarre, qui nous a obligé nous. On parle au bridé, puis dans le bridé. Je parle au bridé, la donne libre. C'est ça me fait après sondage. Ok, bridé nous dans le sens, bah, vous mettez dans le bouche cheval là. Son image, son image. Là que, il y a personnage. Je choisis n'importe position, il est de nous. Vous connaissez la formule avant là, vous parlez avec des figures, des images, paraboles. Ok, mais maintenant, et où même? Nous sommes dit pour famille là, voilà, c'est où même? Qui côté si mouille l'an nord, comme si a fait Belange Loa, son bail qui est déjà réglé? N'importe quoi de rive, là, oui, au cap, n'importe quoi de Belange Loa devant. Moi, même qu'on y a la première responsabilité qu'on a, transformer, convertir les intentions de vote en vote. En vote. Intentions de vote, là, très fort. Ok. Qui ça slogan Belange Loa? Qu'est posé pour tout le monde. Ok. Mais gen gen remet Haïti gen cœur et puis gars yo confond cœur. Non, c'est pas n'importe cœur, c'est cœur posé. C'est pour tout le monde. Ouais. Belange Loa, combien qu'on va dépenser pour campagne là? Combien? Combien qu'on va dépenser pour campagne là? Ça me pas ka connait. Moi c'est un candidat qui puis pauvre. Dans le pays. Nous dépensons pas au jour le jour. Si quoi que je joigne. Nous avons mis un cadeau, quelques photos, bienvenue. Bien qu'il fasse un cadeau, quelques maillots. Bien qu'un bagage qui fait qui encourage. Des maillots qui circulent dans la rue avec photos de l'enjeu ou un moyen. Ok. Non, sur Internet, on ne peut pas payer pour nos maillots. C'est un moyen, c'est quelques amis qui disent de me faire. Peu importe de me faire photo. Nous avons un spot, pas pour le même, de même sexe spot qui fait pour moi déjà. Cadeau, c'est cadeau, petit monde qui fait, je ne sais même pas comment vous faire. Ok. C'est comme ça me fonctionne, quand pas moi, il n'y a pas chita sous l'argent parce que je ne sais pas. Ok. Ok. Bon, eh bien, ça quand même, et c'est parce que vous avez un pile fanatique, très certainement. Nous croyons ça. Ok. Bon, eh bien. On dit que je dis à mon capitaine d'eau qui peut convaincu. Est-ce que vous estimez que matin là, ou fait voir? Bon, on a souhaité ça. Mais moi-même, nous crée une bagaille, m'a continué de dire tout le monde. Non, non. Vous mettez voté Belange Loa, moi pas fait ou honte. Mon bagaille, moi dit tout pas tout côté de passé. À 30 ans, je pas fait bêtise dans la politique. À 40 ans, je pas fait faire. C'est pas plus de 60 ans, je pas fait bêtise. Et je ne peux pas avoir aucun côté qui a allé encore. Ok. Et dans le nord, dans le cap. Quand je vais à l'étranger, ça n'a pas qu'à intéresser aujourd'hui encore. Quitter le pays, pas qu'à intéresser encore. Et je ne vais pas me promettre encore Valérie. Moi, c'est professeur et directeur d'école. Je ne vais pas démissionner, ni comme directeur dans le collège Belange Loa, ni comme professeur dans l'UPNCH. Que je vais être sous forme de séminaire, sous quelque soit forme là. Moi, professeur, en permanence et à vie. Moi, sénateur pour un bout de temps. Ok. Moi, pas démissionné. Même quand, dans l'IPNC, c'est parfois, oui, l'État paye. Je ne peux pas quitter. Ok. Et là, vous avez besoin de taquiner. Dites-moi pour moi, qui dernière fois, le Saint-Raphaël? Dimanche, et
Bon, mais Gonzague, mais qu'on est qui ont fait par rapport à l'adversaire pour repousser passif la valance 2001, 2002, 2003? Pour repousser comment? Qui ont fait pour repousser? Les Abvinsou? Oh, les Abvinsou, tu vas prendre les passifs? Non, non, tout le monde bienvenu. Tout le monde qui veut tourner la caille, bienvenu. Non, passifs, les Abvinsou, les passifs la valance sous. Qui ont fait pour repousser? C'est dialogue, c'est dialectique. Pas de parti politique qui pas de parti. Okay. Nous tous nous comprenons que nous n'avons pas fait. J'ai l'évangile à dire, nous sommes tous des pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas la valeur qui fait plus mal à pays d'Haïti. Après la valeur, nous avons des batailles horribles qui passent dans le pays. C'est vrai, pas déjà pour la valeur. La valeur qui est exposée aux critiques. La valeur qui est exposée aux grandes analyses politiques. La valance toujours sous bonne accusation. Nous assumons ça. Et nous, on fait soldater. Que vous dites pour que ça véhicule en Haïti. La valance sont partis violents. Ou même nous, on continue de dire la valance sont partis violents. Quand est-ce que passe la valérie? De 2004 à nos jours, des partis qui là, qui t'a fait même 20 coups d'État, qui t'a participé dans même 20 coups d'État, oui. Nous-mêmes, ça qu'est-ce que nous avons tenu de nous au pouvoir, oui. C'est pas qu'il y a élection, non? La valance victime des armes, des violences, et la valance toujours dit, la reprenne pouvoir par les élections. On voit qu'on y en a, le gros slogan, le pouvoir perdu par les armes sera reconquis par les unes. C'est ça qui fait de nous. C'est-à-dire, malgré tout ça tout le temps, malgré tout problème, nous avons le régime de Kaléa. Pas que nous avons dit, nous n'avons pas fait tel côté. Les amis ont parlé pour être rencontrés chez nous, jamais. Nous-mêmes, nous luttons pour qu'il y ait des élections libres, honnêtes et démocratiques. Jamais de coup d'État, et nous pas nos âmes. Tout pour nous, Nous avons que nous, en violence, nous participons là-dedans contre le pouvoir qui vient après nous. Ça, c'est un acquis. Ni n'en discute tout parce que récemment, on dit que ça ne parle pas la valeur de poison. Ben ça, nous éliminer. Non, non. Son mauvaise interprétation, parce que vous avez une interprétation violente. Son bagage purement en littérature, nous ne comprenons pas de façon, nous ne pouvons pas se comprendre de façon. Le problème va être réglé, il est clair. Donc, Gonjan, poison en cas positif. Non, son image même. Oui, mais qui j'ai l'image pour poison en cas positif. Non, justement, qui j'ai l'image pour poison en cas positif. Non, non, des jazz qui chantent. Il n'y a pas de ces poisonniers, il n'y a pas de ces violences. Il y a des gens qui chantent, il y a l'autre qui chante. Et depuis lors, nous n'avons plus de dire qu'on n'a pas de des violences. Et maintenant, nous avons des si on voulait prendre ça pour dire que c'est violence, si nous n'en croyons, ça veut dire que nous sommes contre la violence. Et nous n'avons plus de dire qu'on n'a pas 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 de dire qu'on n'a pas. Il y aurait du mal à la pauvreté absolue. Mais nous répétons, va répéter ça souvent. Ou même violence. Violence, il faut dénoncer le tout. Et violence, il faut le dénoncer tout. Violence. Mais non, mais pas je me dénonce. Nous répétons, je dis ça, alors que tu n'as pas de reconnaissance de violence. Mais pas je me dis, vous le carabelle au cap. Je ne vais pas dire, vous crasez la radio. Je ne vais pas dire rien. Ça, expression n'a pas aucun rapport avec violence. Et c'est depuis un débat qui te fait dans la radio, ça te éclairci. Et me songer, me participer, nos débats, dans la radio Kiskeya, avec professeur Victor Benoît, avec colonel. Il y avait dit, le théâtre de la même débat de la part de la violence. Et ça s'est passé. Dernière question, Bélangeau. Est-ce que vous estimez que il y a fièvre et deux volets? Il y a fièvre électorale au Cap, dans le Nord, pour l'élection. Deuxièmement, est-ce que vous croyez que l'élection a fait le 9 octobre? Est-ce que vous comptez? Quoi? Première. Une question qui gagne deux volets. Premier volet, est-ce que vous avez fièvre électorale au Cap, enfin dans le Nord, comme si vous êtes excité pour l'élection? Deuxièmement, est-ce que vous croyez que l'élection a fait 9 octobre? Ok. Sincèrement, il n'y a pas de fièvre électorale. Ok. Marouel, Jean Sapi en 90 ou bien en 95, il n'y a pas de fièvre électorale. Il y a une ambiance électorale tant bien que mal. Des photos qui ont collé, des petits spots qui ont passé dans la radio. Et puis, discussion qui a fait sur la place là, bonne ambiance électorale.
mais pas un fief électoral. Besoin économique, besoin politique, tout ça. Est-ce qu'on croit élection à fait 9 octobre? Ne position pas. Nous croyons qu'il n'y a pas fait. Les paramètres qui nous créent qu'il n'y a pas fait. Mais, pas qu'à faire là son piège. Pour Mélange ne pas faire campagne, pour Fanny Raval ne pas faire campagne, pour croire élection pas fait, c'est bien bon. Et puis, je vous parle. Nous-mêmes, étant donné que nous toujours en campagne, étant donné que nous toujours en mobilisation, la mobilisation se poursuit au sein de Fanny Raval. Qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas d'élection. Nous toujours mettons dans nos situations pour nous mobiliser tout le temps. Donc nous-mêmes, ce n'est pas l'élection qui nous mettons dans la vie, nous toujours à mobiliser. Je fais, nous là. Je ne pas fait, nous là. L'œuvre fait là, nous là. Il y a un grand bagage. Nous souhaitons être la plus libre, honnête et démocratique. Merci beaucoup, Belangelo. Merci beaucoup, Valérie. Et après, Zoupé, félicitations pour le documentaire fait sur le Brésil là. Quoi que nous comprenons, on t'a dit à pile commentaire, pays a besoin d'éclaircissement ça, il y a parce que des informations vont passer comme ça. Encore une fois, Brésil, merci. Merci, Vision de Ville, pour l'invitation. Ça fait exactement 2 ans de visiter la Vision de Ville. Merci tout le monde qui t'a écouté, ni en Haïti, ni à l'étranger. Ouais. Les Haïtiens, à le voter. Et à le voter numéro 54. Merci beaucoup. Merci à Belangelo, notre invité. Belangelo, candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, Bannière, famille Lavalas, numéro 54. Hein. On a essayé de voir ce qui était possible et ce qui sera possible avec Belangelo au Sénat de la République. On rappelle que sa femme a été sénatrice.